Good morning, Ali. Dans l'étude aujourd'hui, le Nishmat, Chayester bat Miriam et Lirfuat Olivier Israël Shimon ben Chayester, Hamshat Miriam ben Ruzlana et Benjamin ben Chabiba. Betoch Shar Chole Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shabbat, Perek Yudzayin, Mishnah Vav. Ha'even shebekiruya im memalin ba ve'en anofelet memalin ba v'im lav en memalin ba zmora sheikshura batafiyach memalin ba beShabbat. On continue notre Mishnah avec les halachot de Mouksé. Tout d'abord, Mouksé, on connaît, on sait c'est quoi. C'est des objets que l'on n'est pas censé utiliser à Shabbat, donc on n'a pas le droit de les utiliser pendant Shabbat. Il y a un décret spécial, il y a plusieurs niveaux de Mouksé, comme on a découvert. À présent, dans notre Mishnah, on va parler de deux choses. Une pierre ou une branche de bois dans la rue qu'on trouve, qui sont tous les deux choses qui ne sont pas des ustensiles. Donc interdit de les déplacer pendant le Shabbat. Pour pouvoir les rendre ustensiles, parce qu'on a envie maintenant de les désigner pour en faire quelque chose, il y a toutes sortes de halakhot, c'est vaste, on ne va pas ouvrir le sujet tout de suite, on a toutes sortes de situations, imaginez qu'on a une porte qu'on a envie de caler de manière fixe, avec on a une belle pierre, on a trouvé une belle pierre qui était assez grosse et assez plate d'un côté, puis qui savait la tenir de l'autre côté, on a décidé de la prendre, de la fixer, de décider que ça va être pour la porte. Est-ce que maintenant, désormais, c'est devenu un ustensile ou pas? C'est vaste comme sujet, et je prends en cours, ça parle longuement pour définir. C'est le type de le domaine qu'on va maintenant toucher dans notre Mishnah. A savoir, on a une pierre, donc premier sujet de la Mishnah, on a une pierre qui est donc un Mouksé Mahmad Goufo, interdit de déplacer d'aucune manière, que concrètement, on a commencé à l'utiliser de manière fixe. Dans quoi? Dans un... Alors c'est dans un seau, mais c'est pas un seau en fait, c'est un seau qu'on faisait avec une latte, avec une courge épaisse. Ouais, concrètement, venez pour le moment, on parle d'un seau, après on expliquera quel type de seau, si on sait faire trop de détails. Il y a un seau qui n'est pas assez lourd, et pour l'alourdir, on a pris une bonne pierre, qui était bien, à la fois elle était lourde, plate, comme ça, ça ne prend pas tellement de volume, mais elle s'étale bien. Et on la met de manière fixe dans ce seau, qui est en fait une kérouya, qui est une dlate, une citrouille. Et on la met dedans, de manière à ce que maintenant, lorsqu'on va pouvoir, on va faire descendre le seau dans le puits, et bien le seau il va tomber, et quand il va arriver, il ne va pas se mettre à flotter sur l'eau, sinon on ne va pas réussir à ramasser de l'eau. Pour ramasser de l'eau, il faut que le seau puisse couler au moins un peu. Et justement, donc pour que ça cuit, pour l'alourdir, on a fixé cette pierre dedans. Est-ce qu'elle est maintenant, elle est devenue ustensile ou non? Alors la Mishnah, elle va m'apprendre comme ça. Je ne peux pas traduire, parce que je n'ai pas traduit le mot kérouya. Donc en fait, je vais expliquer d'abord le principe à l'oral, puis après, on fait ça dans les mots. Il y a, le principe, elle est très simple. C'est est-ce que la pierre, elle est maintenant fixe dans le seau ou pas? Si, lorsque je vais remplir l'eau, c'est possible que la pierre, elle va tomber. Donc la pierre, elle n'est pas une partie intégrante du seau. Donc maintenant, une pierre, l'avoir mise dedans, c'est pas comme ça que ça devient un ustensile. Il faut lui faire, sinon il faut lui faire un chinouille en elle-même, il faut lui faire quelque chose, pour la transformer en quelque chose d'autre. On aura l'occasion de découvrir dans la prochaine Mishnah, ou dans deux prochaines Mishnah, même trois prochaines Mishnah. On aura l'occasion d'en parler plus dans les détails. Mais pour le moment, et donc la Mishnah, elle me dit, tu sais quoi, il y a un paramètre important, il est de savoir, est-ce que la pierre elle peut tomber toute seule. Si la pierre, elle ne va plus tomber, elle ne va plus ressortir naturellement de ce seau, alors c'est parfait. Elle est maintenant devenue une partie intégrante du seau. Et comme le seau, c'est un ustensile, alors elle aussi, c'est devenu un ustensile. Si par contre, la pierre, elle peut facilement tomber, donc elle n'est plus devenue partie intégrante, le simple fait de l'avoir mise dedans ne fait pas qu'elle est devenue elle-même un ustensile, mais même pire que ça. Tout le seau, tu ne peux plus le déplacer maintenant, parce qu'il est devenu bassis. Et là, on touche à une autre halakha délicate, bassis, support. C'est très compliqué pendant Shabbat. On est fréquenté, on est confronté assez souvent à des situations pareilles de bassis, à un support. Imaginez que vous avez un stender, d'accord? Quelqu'un qui a voulu faire le ménage vendredi, par exemple, il a pris mon ordinateur et l'a mis sur le stender. Maintenant, l'ordinateur, je n'ai pas le droit de le toucher d'aucune manière pendant Shabbat. L'ordinateur. Mais le stander, je le veux. Est-ce que j'ai le droit de déplacer mon stander pour partir sûrement faire tomber mon ordinateur sur un coussin et le cacher sous un meuble? Et la réponse, elle est que non, parce que si on a posé l'ordinateur sur le stander lui-même, il est devenu bassis, il est devenu support pour quelque chose qui est mouxé, qu'on ne peut plus toucher, puisque c'était posé avec intention, et du coup, on ne peut plus toucher. J'ai pris un cadre d'ordinateur, je peux prendre un 4 pièces, quelqu'un qui a mis un billet dessus, une pièce dessus, et maintenant j'ai envie de faire tomber la pièce pour utiliser ensuite le stander. Je peux pas le faire, parce que s'il a été posé bedavka, et spécifiquement, alors maintenant, le stander il est devenu bassis,
support pour un mukse et il prend le même statut que le mukse qu'il y a dedans. Voilà pour l'introduction. Et maintenant, j'explique encore un petit détail qui nous manque. C'est l'histoire de la courge, de la citrouille. On est à l'époque où il n'y avait pas tellement de plastique, pas du tout même. Donc du coup, on avait toutes sortes de procédés pour, concrètement, pour faire avoir un seau super qui est assez étanche et tout ça, mais on prenait une grosse citrouille, on la vidait de l'intérieur, on avait un beau récipient maintenant, mais le problème technique, c'est que c'est pas assez lourd. Et quand on va le faire descendre, ça va rester sur l'eau, ça va flotter sur l'eau. Pour que ça puisse entrer dans l'eau, il va falloir l'alourdir, lui fixer une pierre. D'accord? C'est le principe de la Mishnah. Et donc maintenant, on peut traduire à Even Shebekiruya. La pierre qu'il y a dans le kera, c'est comme dans les simanim d'Orjana, on a le kera, la courge, la citrouille, de la tievesha, il nous dit le Barzanoa. Alors, im memalin bahvein anofelet, si tu l'as mise, tu l'as fait entrer à l'intérieur de manière à ce que lorsque tu vas remplir l'ustensile, la courge, la pierre ne va plus tomber, vein anofelet, elle ne va pas tomber, memalin bah, on pourra maintenant remplir avec cette courge, il n'y a aucun problème de mukse. Comme il nous dit le Barthénora, il nous dit rien le Barthénora. Donc on continue. Ve'im lav, c'est après qu'il va parler. Aven, aven, velet, ouais. Chez quoi il a fait Befi Akiruya avec lui. Que maintenant, le Barthénora nous dit, ils l'ont fixé bien sur la courge, qu'elle ne va plus tomber, donc maintenant c'est devenu un ustensile. Par contre, ve'im lav, mais si ce n'est pas le cas, que tu l'as mise, c'est vrai tu l'as mise, mais quelqu'un il va retourner la dlat, il va retourner la courge, et puis la pierre va tomber dessus. Donc il n'y a pas une seule entité, il y a deux choses. Il y a une courge avec une pierre dedans et tu n'as plus le droit de rien déplacer. Il me lave en même à l'inba, sinon tu ne pourras pas du tout la déplacer. Et le partenaire, il nous dit justement sur ça, je vous le fais tout de suite dans les mots, Arei Kisharavanim, elle est devenue comme toutes les autres pierres. Ben metal telin hakerouya, et on ne pourra plus déplacer, même la courge, on ne pourra plus la déplacer, l'ustensile, la citrouille vidée. Pourquoi ? Elle est devenue support pour la pierre qu'elle est en train de porter. D'accord? Les lois de Bassis, si ça vous intéresse, c'est dans Siman Shintet. Comme ça, il rapporte le Tiferet Israël. D'accord? Maintenant, on continue avec le deuxième sujet de la Mishnah, qui est un petit peu le même principe. C'est, cette fois-ci, prendre un bâton dans la rue. Un bâton dans la rue, on n'a pas le droit de le ramasser pour l'utiliser, même si ça peut nous servir pour faire plein de choses. C'est Mouktsé. Ça n'a pas de statut du sourcil. Un bâton, on parle d'un bâton qui était une branche qui est tombée, une belle branche qui est tombée. Il y a beaucoup de choses à faire, malgré tout, elle n'a pas été désignée pour être utilisée. Alors elle n'est pas un ustensile. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a pris le Zmora chez Kshura Batafiar. On a pris une branche et on l'a attachée dans un tafiar. Le tafiar, c'est une sorte aussi de nouveau, une sorte de petit récipient, de petite cruche, que, ouais, au lieu de descendre tout le seau pour puiser, c'est moins profond, on a un bon bâton qui est attaché avec au-dessus une petite cruche, et comme ça on fait entrer dans l'eau et puis on remonte de l'eau. Et donc Ikshura Batafiar, elle est attachée au tafiar avec une corde, elle est bien fixée. Et bien la Mishnah m'enseigne Memalinba Beshabbat, on pourra remplir avec elle pendant Shabbat. Le Tosot Yom Tov, cette fois-ci, il m'explique, il nous précise que en réalité, la Zmora, même si tu l'as désignée que c'est devenu un ustensile, tu as moyen de la désigner, de la préparer qu'elle soit un ustensile. Malgré tout, si elle n'est pas déjà fixée avec l'ustensile, mais que tu as moyen pas assez fixe pour le prendre, on a une crainte. En fait, que tu vas trouver que la branche trop longue et tu vas la raccourcir pour qu'elle soit plus adaptée. Et si tu la raccourcis, tu rends un interdit de Shabbat de maquer bepatish, de fabriquer un ustensile. On a déjà évoqué le principe plusieurs fois. Que la Gemara rapporte. Si je prends un petit bout de bois qui est sur la table, ou peu importe, je le casse pour qu'il soit bien aiguisé pour me curer les dents avec. Au moment où je le casse, je fabrique un ustensile. Et c'est le même principe de nouveau. Si tu prends un manche, le manche que tu fixes avec ta cruche, si tu trouves ton long et tu le casses pour qu'il soit plus court, eh bien tu fabriques, tu adaptes un ustensile, tu transgresses l'interdit de maquer et bepatish. De ce fait, la Michelle est venue me dire que tu dois nécessairement la fixer avant Shabbat. Comme ça, c'est sûr que tu vas plus la... Maintenant que c'est fixé, tu vas plus t'intéresser à la raccourcir ou pas. Qu'au moment où tu vas fixer les choses, c'est le moment de voir est-ce que la taille, elle est adaptée ou pas. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha, kol tov, salam.